ça devrait le faire. Faut que j'aille l'autre côté, c'est ça? On va pas s'en occuper d'eux. Hein, si je peux juste aller me friter contre l'autre, ça me va. Putain, ça fait quand même une heure qu'on est sur ce niveau. Hein. Une heure. Elle est où? Elle est là-haut, là? Dans la boule? Ah oui. Félicitations, tu viens de couper plusieurs batteries superflues. Ce n'est pas très gênant. Tant que j'ai la pierre, mon réacteur est indestructible. Et la désolation que je sèmerai grâce à lui témoignera de son ingénieuse conception. Vraiment? C'est pas vraiment une machine si elle tire sa puissance d'une pierre magique. Pauvre crétin, tu n'as pas la moindre idée de la technologie complexe nécessaire. Donc si jamais là je vais finir le let's play, donc pas forcément aujourd'hui, mais je finirai d'abord le let's play Spider-Man, ensuite il y aura le retour de Asuras. Qui arrivera normalement juste après. Attendez, je suis en train de m'étouffer. Ah, désolé. Oh putain. Ah putain. Ah désolé, hein, j'étais en train de m'étouffer avec ma salive. Donc ouais, donc l'espace Uras y reprendra. J'aimerais bien y tourner pendant les vacances d'octobre. Donc on va dire pas avant quoi. Qu'est-ce que je dois faire avec toi? Ah d'accord. Eh ben. Et je secoue tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je dois faire avec ton machin? Essaie de désactiver la barrière énergétique. Et je masturbe la manette là. Eh ben, qu'est-ce que je dois faire avec ça? J'en fous quoi, moi, après de la toile? Tu veux goûter à ça? Essaie de désactiver la barrière énergétique. Oui, bah j'en reviens. Hein. Putain, je me masturbe la manette, mais dans tous les sens. Putain. Bon, on va recommencer, je vais mourir, et puis... Ah yes, il y en a deux, mais j'ai plus de vie. C'est cool ça. Je crois qu'il est temps de t'écrabouiller. Putain, ça dure trop de temps. Oui, je suis mouru. Oui, je suis mouru. Mouru. Je vais te découper sur place. Mouru. Allez! Mais ça prend juste trop de temps, ton machin! Tu veux goûter à ça? Salope! Tu sais que tu es un peu un kikineur. Oui, je sais, on me dit souvent. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Le temps que ça prend quoi, c'est genre c'est quoi ces timings de l'enfer? Essaie de désactiver la barrière. Oui bah ça j'avais compris, merci. Quand je me rapproche, elle fait un laser juste à côté quoi. Bien sûr je peux pas aller, voilà, faut que j'aille de loin, enfin faut que je m'approche quoi. Merci. Ça on me le dit pas souvent. Et c'est normal. Essaie de désactiver la barrière énergétique. Allez! Bien sûr, 3 lasers, oui, allez, dans l'excès. Tes attaques sont rudimentaires, mais...
Oh là, putain. C'est tout ce que tu sais faire. Elle dépense beaucoup d'énergie pour le temps. Oui, d'accord, ça fait des champs de force, ok. Ça marche. La voix colle pas du tout avec le personnage. Hein. Ok. Bien sûr, d'accord. Aïe, 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 aïe. Aïe. Avec l'écran aussi on voit rien, tellement que le personnage il est proche là. Dans une zone où on a besoin de voir tout ce qui se passe. Ok. Le problème c'est que si je meurs maintenant, on parie que je dois tout recommencer depuis le début, donc on va juste se balader et puis récupérer un peu de vie si on y arrive. La vie ne remonte pas. La vie remonte, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Les plaies remonte. Je vois pas si ça remonte la vie. Ah merde. Allez, non. Ça foire. Putain, la vie qui m'enlève. Elle m'enlève zéro vie, mais le problème c'est qu'à cause des lasers, j'ai tout perdu. J'espère juste que ça sauvegarde. Enfin, il y a. Enfin, si je meurs, je recommence pas tout. Oui, je sais, tu m'as déjà dit 10 000 fois, j'ai compris, je vais mourir. Putain. Oh. Ah, yes! C'est super la vie qui me reste là. Je pensais que si pouvait choper une toile plus haut, ça serait pas mal. Encore une fois, c'est ça? Ça sauvegardait. D'accord, il y a eu le logo. On est safe là. Là, on est safe normalement. Alors, comment je m'occupe de ces machins? En plus, il y a les machins. Oh, putain, il y a les bras, il y a tout quoi. Ok. Bonne question, je sais pas. La chance? Ok, mais je dois faire quoi en fait? Juste me friter avec les lézards là? Vous méritez un gros câlin. L'autre amateur? Chez. Je crois qu'il est temps d'écrabiller. Ah, si vous pouvez les tuer pour moi, c'est gentil. Voilà. Bah, pour moi, oui. Quoi, c'est passé? Dis donc, t'es bien charpenté, toi! Faites-en de la pâtée, mes chéris! Je comprends pas ce que je dois faire, en fait. Vous méritez un gros cadeau! Victoire! Il y en a qui meurent comme ça. Bon, on se balance beaucoup, hein. Mais là, il y a la vie qui remonte, c'est cool. On va la remonter un chouïa. Ne leur fais pas de mal.
Vous pouvez les tuer pour moi. Ouais, sérieux, voilà. Ah, c'est grâce à eux que ma vie remonte. Yes. Voilà, faut que j'en tue, voilà. Elle va les tuer pour moi avec son laser à la con. Pardon. Voilà. Je sais pas ce que je dois faire en fait pour la niquer, parce que là elle a son putain de bouclier, elle a ses bras mécaniques, elle m'envoie des sbires. Toujours vivant lui. Qu'est-ce que je dois foutre pour la niquer? Ah putain, c'est vrai, attends, j'y pense maintenant, je sais pas pourquoi, mais un jeu dont on n'a pas eu trop de nouvelles en ce moment, c'est le prochain Batman. C'est vrai que lui, on a eu une vidéo de présentation il y a un an, il me semble. Et depuis, alors attends, ce machin blanc, il fait quelque chose ou pas, non? Ok. Donc on a eu des nouvelles il y a un an. On a eu du gameplay et tout ça, donc je pense que c'était au même moment que les annonces... Maintien B, machin pour... Hein, attends, pour briser la défense avec... Je peux t'en dire. Alors attends, je dois maintenir B pour taper fort quelque chose. C'est ce machin-là ? Bon, donc Batman, pas trop de nouvelles. Il avait l'air cool, il y avait un semblant de RP dans le jeu. Donc apparemment, donc c'était après la mort de Batman, du coup, hein. Désolé pour le spoil. Ce Batman meurt, mais dans la vraie fin de Arkham Knight. Et la vraie fin, je l'ai pas fait, hein. je l'ai vu sur YouTube parce que chiant et galère, quoi. Parce que pour la vraie fin de Batman... Si vous le savez pas, il faut faire tous les énigmes à la con et tout, en fait, il faut tout faire, quoi. C'est juste trop chiant, quoi. J'ai dû faire peut-être 70% quand même des énigmes, mais... Alors si jamais en même temps, je viens de comprendre comment la tuer. Ouais. Donc ouais, pour Batman, pour voir la vraie fin, c'est casse-couille, donc... hein. La fausse fin, tranquille. Niveau terminé, au bout d'une heure. Logiquement, à la prochaine session, c'est fini, hein. Le jeu, on l'a fini. Ok. Il reste deux niveaux. Donc prochaine session, c'est fini. Donc lui, logiquement, c'est... Pour moi, c'est une sorte de carnage électro, ou juste un carnage, hein. Et puis là, Mysterio. Ok. Bon bah des bisous, hein, et puis on se retrouve à la prochaine session.